l'objectivité. Comment être objectif? C'est paradoxal. Lorsque nous disons être objectif, en réalité, ce que nous disons, c'est avoir des jugements objectifs sur les choses. Quelle idée étrange. Les jugements appartiennent à l'esprit. Il est le juge. Le jugement est donc intrinsèquement subjectif. En effet, le subjectif, c'est ce qui relève de la perception des phénomènes par un sujet. Prenons l'exemple des étoiles que nous percevons le soir. En se penchant par une fenêtre pour l'observer, l'être humain devient le sujet percevant, tandis que l'étoile, qui est l'objet de son attention, est la chose perçue. C'est de ce que l'esprit va percevoir de l'étoile que naîtra la subjectivité. Car chaque esprit humain peut la percevoir de façon différente. En revanche, l'étoile est objective. Il s'agit d'un objet, de l'objectif de nos regards, qui sans conscience pour l'observer, existerait probablement toujours. Être objectif, c'est juger la chose perçue telle qu'elle est réellement au-delà des sens. Mais cela semble être un idéal inaccessible. L'objectivité est limitée par les moyens que nous avons de percevoir les choses, que ce soit nos sens ou nos instruments de mesure. Il est surprenant de remarquer que l'objectivité varie en fonction des époques et de la géographie. Ce qui peut sembler objectif à une époque ne le sera pas à une autre, et ce qui peut sembler objectif dans un pays ne le sera pas nécessairement dans un autre. Par là, nous comprenons que l'objectivité est subjective. Cela peut sembler paradoxal, mais en réalité, lorsque nous parlons d'objectivité, c'est bien d'avoir un jugement objectif dont nous parlons. Or, un jugement est par nature subjectif. L'objectivité existe-t-elle ou n'est-elle qu'un idéal? L'objet en dehors de l'esprit qui le perçoit semble être une réalité. Cependant, comment prouver son existence? Il faudrait que l'être humain aille voir dans le monde en sortant de son esprit. Mais cela est impossible, n'est-ce pas?